D'aller à l'Agora, si vous voulez bien, et qu'on fasse une assemblée entre nous, parce qu'il y a des citoyens assemblés qui ont des choses à partager ici, ben, assemblons-nous et imaginons, écoutons des propositions d'action. Je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont des idées d'action, qui aimeraient les partager, les soumettre, les alimenter. Et on a dit, bon, ben, 14h au château. Voilà. Quand tu n'es pas d'accord, c'est un refus, ce n'est pas un consentement. Opposer une résistance, c'est avant tout trouver du sens. Les emmerdeurs sont au pouvoir. Ils nous traitent de menteurs. Ils veulent qu'on perde de tout espoir, le sens commun de nos valeurs. En coupant sa galette, le roi salue la France au travail, la France humble et silencieuse, surtout pas celle qui déraille. Un grand nombre de personnes entre nous qui se retrouvent, qui sont du milieu de ce qu'on appelle la culture, très délaissée, alors que c'est ce qui nous fait vivre, intérieurement, je veux dire, et collectivement aussi, sont empêchés de travailler. Et donc vont se retrouver sans aucune ressource. Ça peut être des conteuses et des conteurs, des chanteurs, des musiciens. Et la proposition qui est faite est de créer une collecte et les dépôts se feraient en inscrivant son nom et le montant. Et le montant serait dans une caisse qui serait fermée.